Bonsoir, bonsoir tout le monde, et bienvenue pour la fin de Doom. Enfin! La fin! La vraie! Alors laissez-moi juste le temps de lancer le jeu, parce que, hein, voilà. Et du coup, enfin, on va finir ce DLC, enfin, ça fait 3 jours qu'il est sorti le DLC. Du coup, putain, très bien, un plaisir. Ouais, du coup je suis grave chaud là pour tuer le Dark Lord. Donc j'espère que le combat ne va pas trop me décevoir. Hein. On l'avait testé la dernière fois, c'était un peu un pétard mouillé. On va voir, on va voir, on va voir. Je pense que ça va être compliqué en vrai. Parce qu'on avait, on avait mouru, mais quand même. Voilà. Juste augmenter ça un tout petit peu. Parfait. Doom! Oui! Doom! Pardon, un peu crié. Du coup, on enlève les musiques du premier Doom. Alors, on va aller se taper contre le pétard mouillé. Putain. Oui. Conan, le Slayer. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a re la cinématique? Non, absolument pas. Oh shit. Bonjour monsieur. Alors, non, vous pouvez arrêter monsieur, s'il vous plaît. Oui. Oui, alors. Le jeu lag. Qu'est-ce qui se passe? Allô? J'ai fait une mise à jour Nvidia hier, bah du coup. Ah oui, mais c'est vrai qu'il récupère de la vie quand il me tape, ce con. Alors. Shit. En fait, c'est un maraudeur plus, c'est ça le délire. Ah d'accord, c'est un marteau infini, donc on a le marteau infini, donc vraiment la stratégie c'est d'utiliser le marteau comme un gros bourrin. Tu peux arrêter de me tuer s'il te plaît? Non mais... Oui je veux bien mais... Mais non en fait. T'es pas censé faire une attaque que je peux... Parer, pardon. Comment te dire? Le jeu! Peut-être falloir que tes mécaniques elles fonctionnent en fait. Bon, c'était le first try, hein, donc. Le second try, mais. Alors. Mais arrête de me tirer dessus comme ça! Oui, ben je veux bien, mais. Ça change pas que tu fais pas les bonnes attaques en fait, monsieur. Ok, très bien. Ah! Allez, je me disais bien aussi. Ah! C'était un peu poche pour un. Qu'est-ce que je raconte là? Ah, maintenant il en met deux! Ah! Monsieur. Pour vous dire. Évidemment. Aïe, shit. Ça fait mal. Aïe. Ah,
Ouais, j'ai réussi à tuer les deux d'un coup. Attends, il m'a fait une frappe sanglante là au lieu d'un... Non mais je tirais... Bon ok d'accord, je l'ai pas touché. C'était vraiment un des ennemis. C'est voilà pourquoi les combats de boss ça marche pas en fait. C'est ennuyant. C'est de la merde. Un plaisir. Ça c'est de la triche ça monsieur. Ah oui. Merde, j'ai absolument pas maxé mes dégâts. Fais de la merde. Ah oui, d'accord, ok. Obey. D'accord. Comme ça, toi. Oh, putain. Ouais, 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 je brûlerai, ouais, si tu veux, ouais. En attendant, là, je suis mort. Je suis mort, c'est un plaisir. Alors, où est-ce qu'on reprend? Est-ce qu'on reprend au tout début? Tous sentinelles, tous les démons, ok, tous les démons. Ah, ok. Pas mal, ok, très bien. Mais d'où? Le truc, c'est qu'il fait jamais son attaque. Aïe. Mais non, mais j'ai esquivé ta grand-mère la pute en fait. Il fait que ça, invoquer ses chiens et... Quoi? Alors attends, si je lui tire dessus quand c'est pas le bon moment, il récupère aussi les points de vie. Mais c'est que c'est très bien foutu ça.
Mais c'est tout. Bah oui, mais forcément, si je fais de la merde... C'est dommage, il fait pas de dégâts à ses propres loups. Bah oui, bah bien sûr. Je suis trop occupé avec tes loups, mec. Aïe. Ça se dirait pas de faire ton attaque qui peut me permettre de te faire du dégât en fait? Non, parce que... C'est la fin. Mais j'y crois même pas. Pendant trop longtemps, j'ai été prisonnier de mes propres créations. Tu n'arrêteras pas ma vengeance, ni celui qui m'a trahi. Dis-lui. Il est le premier être et mon créateur. Lorsqu'il fut déchu. Nani ? Pardon ? Ils t'ont menti, Slayer. Imora et son peuple auraient été parfaits sans la traîtrise de mes serviteurs. Ils m'ont enfermé, ont volé mes pouvoirs et mon nom. Mais l'heure de la vengeance a sonné. De ma main périront par ma main, à commencer par toi. Ça n'a aucun sens. À l'aide. Bonjour monsieur. Toujours même strat. Parfait. Ah, et maintenant il invoque des... Oh putain. Mouais. Oh, ça va être chiant. Ah oui, donc maintenant ah oui. Ah oui, donc c'est la foire. Comment je fais moi là? Non mais t'es rigolo le jeu. Quel bout en train ce jeu. Comment ça? Quoi? Bah évidemment que ça lui fait zéro dégâts. Ouais. Alors, t'es mignon toi, mais ouais, mais je peux juste rien faire en fait. Enfin, sauf. Ouais, mais, enfin, je peux pas tuer des. Ouais, mais MDR, il est rigolo le jeu, mais. Enfin, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Par contre, le scénario, on en parle que... Bref. On parlera du scénario après, hein. Bah oui, mais non. Enfin, tu vois bien qu'il y a un problème, là.
Le quoi? Scénario, ouais, je sais, c'est difficile à croire, mais il y en a un. Mais, enfin... Je peux le... Bon, ok, très bien. Bah, super. Ouais, je brûlerai, ouais, bah là, très fort, hein. Oh, mais d'accord, en fait, ils ont moins de vie. Mais du coup, ils sont immunisés à la frappe sanglante, right? What? Alors, monsieur, comment vous dire? Vous n'êtes pas légal, vous n'êtes pas un boss légal. Hey, merde! Oh! Holy fuck! Alors, monsieur. Je sais que j'aurais peut-être dû garder mon marteau, mais bon. Je peux passer à côté d'une occasion pareille de lui faire du dégât, en fait. Enfin, autant la première phase, c'était plutôt facile, mais là... Alors, tu peux tirer, en fait, avec tes armes. Qu'est-ce qu'il fait, ce coup? Tu brûleras, bah... Superia en enfer! Ah, shit! Merci. À l'aide. C'est vrai qu'ils ont moins de vie, hein. Je sais plus sur qui je dois tirer. Aïe. Aïe ouille. Mais il récupère de la vie quand il me tape. C'est pas juste. Non. S'il vous plaît. Alors tu as fait ton attaque. Ok. Le lance-flamme, il a... Mais non, mais ça va bien maintenant. J'aimerais ne pas encore mourir. Ce serait pas mal. Mais non, mais un plaisir. Je ne comprends pas. Enfin, si j'ai compris, la strat c'est toujours la même, mais. Enfin, oui, le marteau il cancel tout. Bon, on va garder le marteau pour quand il y a beaucoup de monde. Pour éviter de. Voilà, genre comme ça. Ah bah, il n'y a plus personne! Ouais, bah, et du coup, faut que je max. Faut que je max avec ça en fait. Très bien. Ah merde! Ah non, j'ai pas de marteau! J'ai pas de marteau! Ah! Il est là le marteau. Ok, donc faut tuer des bonhommes comme ça pour récupérer le marteau. Très bien. Très bien. Je comprends. bon. Might be complicated. Aïe, mais... Merci, bonjour. Non, mais là tu me touchais pas en fait. Le jeu il triche là. Ouf. Ah merde, raté. C'est dommage.
Faut que je fasse gaffe à cette attaque, elle est... Ah, mais en fait, toutes ces attaques sont doubles. C'est tendu, c'est tendu. Merci, espèce de bouffon. Putain, mais le jeu, il se fout de ma gueule, là, des fois. C'est quoi, ça? C'est mon clavier, il est pas en 120 FPS, c'est pour ça. Ah, shit. Ça, parce qu'il y a la putain de roue qui s'affiche. Mais putain, mais c'est craqué là, nique ta mère en fait. Mais nique ta mère. Mais c'est juste overcraqué, enfin je peux rien faire. Ce fils de pute récupère de la vie et en plus il me balance 1 milliard de mobs à la gueule là, c'est n'importe quoi. Mais nique ta grand-mère en fait. Je me saoule. Mais putain, mais c'était censé tous les faire disparaître. Astuce de mes couilles là, c'est du mensonge ça monsieur. Mais what the fuck quoi. Non mais... What? Mais nique ta mère en fait. Non mais... Mais what? Putain. Mais putain. C'est juste con, putain. Mais... En fait, faut arrêter de mettre des boss fights hein, dans les FPS, en fait. C'est juste con. C'est soit mal foutu, soit inintéressant. Enfin, dans les deux cas, c'est mal foutu, mais... Non, mais faut arrêter, en fait. Faut arrêter. Tu m'aurais mis une bigarène avec, genre... Ça aurait été 1000 fois mieux, putain. Mais... Oh là là. Y'a aucun boss qui est bien dans ce jeu, mais what the fuck. Ils sont tous chiants à la mort. Eh, je dois attendre que tu aies les yeux verts, mais putain. Mais c'est du mytho! Ça fait pas du tout disparaître tout le monde! Mais putain, mais... Mais c'est n'importe quoi! Attends, il y a deux secondes. Yes. Agro! Mais putain, mais il récupère de la vie s'il me touche, il récupère de la vie si je le tape au mauvais moment. Mais vas-y, nique ta mère en fait. T'as juste à mettre un boss invincible et puis comme ça c'est bon, c'était fini en fait. Si tu veux pas qu'on finisse le jeu, faut le dire. Ah putain. Mais je m'en fous, putain! De ta putain de roue des armes de merde! Putain, mais... Eh, ça fait disparaître toutes les invocations! Non, c'est faux. C'est juste faux. C'est de la merde. Bateau Sentinel fait... tue tous les démons invoqués instantanément! Ah.
chargera également le marteau. Quoi ? Vous êtes con en fait. Juste con en fait. Mais putain ! Ils insistent bien sur le fait que c'est tous. Regardez ! Ils sont encore là. J'ai mis le marteau, ils sont encore là. C'était useless ça. Ah oui, c'est vrai que tu peux pas esquiver ce genre de choses en sautant dans ce jeu. C'est compliqué là. Esquive. C'est faux. Putain. Mais putain, j'ai appuyé qu'une seule fois, j'ai pas maintenu. Putain, mais ils cassent les couilles avec leur roue des armes de merde. J'ai moyen de le changer, ça? J'en veux pas de votre roue, en fait. Elle sert à rien. Elle sert pour les fils de pute qui jouent sur console, en fait. Du coup, dégagez-moi cette merde, en fait. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Pour confirmer, bah, j'en sais rien. Peut-être ça. Manette. Mais qui joue à ce jeu à la manette en fait? Putain. Mais oui, faut pas le taper à ce moment-là. Tu veux pas mettre des maraudeurs aussi pendant qu'il y a, et puis un zombie qui booste, et puis un Archvile aussi. Parce que, bah ouais, plus on est de fous, plus on rit, hein. Tu sais. Et puis quand j'oublie la strat aussi, c'est pas mal. Pas mal, hein. Ah bah tiens, regarde, il y en a encore un qui a survécu. Oh, for some reason, j'ai pas de... Oui, je veux bien mourir, mais après, en fait. Une fois que toi, t'es mort. Putain, et merde. J'ai encore raté une opportunité de lui mettre des dégâts. Mais pourquoi le tyran il veut pas? Le tyran il est immunisé. Allez, on relit. Le martin et sentinelle tue tous les démons invoqués instantanément. Allez bien vous faire en... Culé Hit Software. Bande de fils de pute. Ah bah là ça a marché. Ah bah... En fait il faut qu'il soit dans la zone, mais la zone elle est tellement mystique que... Ça n'a aucun sens.
Alors t'es censé m'attaquer, sinon je peux pas gagner en fait. Oh là 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 là. Infernal hein, ce jeu. Non mais... Laisse-moi tranquille en fait. Ah mais non, mais j'ai tiré sur lui. Bonjour monsieur. Aïe aïe aïe. C'est tendu, hein. Non, mais... Putain, mais ils m'ont keblo. Mais putain. Ça m'énerve. Mais les chiens, mais... Le... Allez vous faire foutre, putain. Oh là là. Ah bah oui, en plus je récupère même pas de vie, bah oui, c'est bien. Hein. Il me réaffiche cette putain de roue des armes, en fait. Oh putain, mais... Faudrait savoir, il change son rythme à chaque fois, en fait, de... Bah en fait, c'est du full aléatoire, en fait. Il n'y a pas de rythme, quoi que ce soit. Ah ouais, là c'est cette attaque là, et putain, il y avait la grenade derrière, mais... Ah, mais c'est infâme! Ah d'accord, donc la grenade, ça le destun direct. Mais je m'occupe pas en fait, je suis con. Je suis au-dessus en fait. Mais il fait jamais son attaque aussi! Il fait toutes ses autres attaques, sauf celle avec laquelle je peux le tuer.
Et merde, j'ai plus de marteau. J'ai plus de marteau. Attends, si, peut-être. Oh putain, si. Oh putain. C'est compliqué. Ah, nique sa mère. Non, mais non, mais j'étais même pas dans cette zone. C'est quoi ça? Mais nique ta mère! Putain. Non mais j'en ai marre là de ce boss de merde, c'est infâme! Mais putain! Je te chasse, j'appuie juste une fois, tu comprends quand j'appuie une fois? Enculé! Bah bah oui, bah c'est ça. Mais oui, forcément, si je l'approche trop, il me stun. Putain, mais... Vous pouvez pas faire un truc un peu mieux, en fait? Genre... Pas mettre de boss, parce que les boss, c'est vraiment de la merde dans Doom, en fait. Et en plus, il y en a un qui reste! Mais putain, il était dans la fucking zone! Pas de foutre de ma gueule! L'enculé qui est responsable pour ce putain de boss. Que j'allais lui foutre des chassés dans la bouche. Bon, si, je sais pas ce qui se passe. Bonjour. Marteau, au revoir. Mais putain, mais j'esquive ton grenade et après je me prends ça, mais... Mais ça va là, c'est bon. Il est méchant avec moi. Méchant. Mais non, mais putain, mais... Si tu dashes en avant, tu dashes en avant, tu fais pas des zigzags en fait. Non mais là, je vais juste mourir en fait. Putain, mais faut faire le double dash. En fait, t'es obligé, tu peux pas avec un simple l'esquiver. En plus, il stun toutes tes actions. Infernal, tiens, meurs-toi. Quoi? Mais pourquoi? En plus, il récupère de la vie. Mais non, mais non, mais c'est une blague. Mais c'est infâme. C'est infâme. Faut tout le temps avoir du marteau, mais tu peux pas l'avoir si tu... si tu te concentres sur le boss. Putain, mais c'est n'importe quoi. Putain, mais j'en ai marre, en fait. La putain de roue des armes, ça le faisait pas avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont changé dans leur putain de timing? The fuck? J'appuie juste une fois, en fait.
Ça me l'a jamais fait avant et là ça commence à le faire à l'infini. À la fin du jeu, je sais pas pourquoi. Ça me saoule. Mais quoi, mais... Pourquoi on a une arène ronde comme ça? C'est ridicule. Tout le jeu, il y a des putains d'arènes grave stylées et tout. Même la Canmaker, elle a une meilleure arène que ce fils de pute. Mais tu peux mourir, toi, en fait. Fallait pas me taper là, parce que sinon je récupère de la vie. Ah, et lol, la roue des armes s'est affichée, t'as vu? C'est trop bien. Nous, on est des bons développeurs chez id Software. Mais oui, mais va niquer tes morts, en fait. Mais bien sûr, il fait son attaque pile au moment où j'ai le dos tourné. Mais ah, mais putain, c'est quoi ces mouvements? Mais non, mais il prévoit tous mes mouvements, c'est pas possible. Mais ta mère, mais je suis censé faire quoi en fait? Le mec a 50 millions de points de vie, il récupère à chaque fois. À part Gilgood, je vois pas ce que je peux faire. Yes. Non mais c'est une blague. Non mais c'est vrai, mais... Tiens, et si je te bourre comme ça? Non, ça fait rien. Hein. Juste gâcher des munitions, mais de toute façon, je n'utilise pas celle-là dans ce combat. Putain, mais... Non mais j'ai esquivé, là! C'est bon! La hitbox de son bouclier fait 3 fois plus que la taille de son vrai bouclier! Mais ça me touche pas à cette distance! Ah d'accord, il n'y avait rien en fait. Ils sont immunisés aux grenades ou quoi ces fils de pute? C'est infâme. Mais non, mais pas à cette distance, mais... Mais putain, mais... Si tu voulais qu'il me touche quoi qu'il arrive, fallait faire, je sais pas, un truc logique. Ça, c'est juste de... C'est juste absurde, putain. Et merde. Ce boss. Je crois que je ne vais jamais y arriver en fait. Putain, mais arrête avec cette putain de roue des armes en fait. On meurt quoi. C'est que à chaque fois j'oublie que j'ai pas de tronçonneuse.
Et cette fois-ci, on y croit. Non, mais bien sûr... Mais j'ai esquivé, ta grand-mère la pute! Ah merde! Quoi, j'ai plus de... De quoi? Mais putain... Meurs, Seigneur. J'ai 3 lignes de dialogue, oh là là. Et je vais te les répéter à l'infini pendant tout ce combat. Qui dure déjà depuis 45 minutes. Ha ha. Mais... Non mais... Laisse-moi jouer en fait. Mais je tirais dessus... Putain mais le mec arrive à me poursuivre à travers toute la map. Tout va bien. La map fait 5 cm en même temps. La map est minuscule. Oh là 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 là. Putain, mais encore le problème de la putain de roue des armes. J'ai pas eu ce problème là pendant le reste du DLC, mais là, je sais pas pourquoi, il a décidé de me casser les couilles. Non mais je vais crever à cause des putains de... C'est une blague. Ah d'accord. Mais il existe pas ou... Ça n'a aucun sens. Ok. Putain, j'étais trop proche. Aïe aïe aïe. Mais quoi, mais il est vulnérable à ce moment-là.
Ah ah ah, la roue. Mais est-ce qu'à un moment il meurt ou... Bah non, non, c'est moi qui meurs. Putain. Mais la grenade quoi, la grenade qui m'a mis zéro life. Ah putain. Non mais j'en ai marre de ce boss là. Mais pourquoi le jeu me propose pas de... Bon putain mais... Le jeu qui est... Pourquoi je récupère pas de vie en les tuant? Shit. Putain, j'aurais dû le taper. J'aurais pu le taper. Mourir. Merci. Oh mais putain, mais... Le truc c'est qu'il fait quasi jamais son attaque au final. Il y a une attaque sur laquelle je peux le toucher et... Il l'a fait une fois tous les 1000 ans. Mais j'ai pas joué à Doom pour faire des esquives infinies. Mais putain, mais j'allais à gauche là, pourquoi t'es allé tout droit? Mais je peux pas faire 50 trucs en même temps en fait là. Bah. Vu quand il fait ça deux fois de suite. Ça n'existe pas ça normalement. Peut-être que l'IA se dit j'ai pitié, on va le... Ah non. Non, 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 l'IA n'a aucune pitié. L'IA me recte à l'infini. Peine répétitif, hein, ce combat. Putain, on est trop proche. Mais quoi? Mais il y a un fils de pute ici, mais évidemment! Évidemment, sinon c'est pas drôle! Oh putain! Merde. Mais non! Mais pourquoi il a pas fait son attaque à chaque fois? Normalement, le pattern que je vois depuis le début, c'est il fait son dash, il fait une attaque, et si les deux sont esquivés, il me met son attaque sur laquelle je peux le taper. Et puis là, il change. Là, non, il invoque ses loups à la place. For some reason. En plus, moi, je le rate, mais... C'est ridicule. Oh là là, c'est... Vas-y, là il a fait son dash, là il a fait ça. Et là il fait un autre truc. Bah ok, donc le pattern en fait n'existe pas, c'était dans ma tête. Ouais, bah il reste devant son dash, oui. C'est une bonne idée. Mais non, mais là j'ai esquivé! Te fous pas de ma gueule! Voilà!
Vous voyez ce que j'ai dit? C'est... Il vient de le faire. Enfin, j'ai pas esquivé les deux, du coup, ça se trouve, en fait. Je pense que c'est du gros bullshit. Un putain de zombie qui me bloque, évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Non, là, il fait... Putain, mais pas en arrière, en fait. C'est complètement con. Non, mais je l'ai raté, mais... Alors, oui, non. Ce dash était illégal, ça, monsieur. Ça, c'était complètement illégal, ça, monsieur. Ouais. C'est exactement ce que je vais faire, mais ça marche. Ah, putain, mais je suis... Quoi? J'ai pas assez de... Mais je viens de récupérer des trucs de marteau avec les chiens que j'ai butés. Pourquoi je pouvais pas? Pourquoi... Qu'est-ce que c'est pas ça? En fait, je ne comprends pas. Non mais... Non mais là c'est... Tu peux mourir toi? J'ai appuyé sur toutes les touches en même temps, ouais, ouais, bah ouais. On va bien y arriver comme ça, ouais. Oh putain, quel enculé. Mais non, mais quoi, mais... Je pouvais plus bouger. Ils m'ont bloqué. Ah bah oui, bien sûr, en plus trop loin, bah oui. Qu'est-ce que je fais là? Non mais putain. Mais quel fils de pute, il met sa grenade juste avant le l'attaque. Mais trop lent. Tout slow. Non mais cet aim en carton. On tirait trois fois dessus, on n'a pas une seule fois qui est passé. Ah putain. C'était là. Il fallait saisir l'occasion et je ne l'ai pas fait. Le jeu, tu peux être un peu moins méchant avec moi s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, dis-moi que là je vais le battre. Ah putain, raté. Non, je veux pas mourir. Ah mais putain, mais toute la vie que je récupère à chaque fois.
chaque fois, je me la fais défoncer en une demi-seconde. Ouf. Quoi? Pardon? Non, mais là, ça touchait pas, en fait. Oui, oui, je brûlerai, oui. Oui, oui, si tu veux. Putain, mais c'est un sac à PV! En même temps, s'il récupère des points de vie à chaque fois qu'il me touche... ça fait du sens. Mais... putain... meurs. Non, mais non! Mais non, mais là c'était l'injustice! Ouais, comme d'hab en fait. Putain, on doit se pousser, ouais, t'as... j'en peux plus. J'en peux plus, ce boss est infâme. Je comprends pas comment y arriver. Je vois pas ses points de vie. Donc, je vais peut-être réactiver le HUD juste pour voir ses points de vie. Ah d'accord, donc c'est la même pastun. Donc si tu lui mets le marteau quand il a les yeux verts, ça ne sert à rien. Très bien, bon bah un plaisir hein. Non mais j'ai raté en plus. Tiens, meurs toi. Mais non mais... Mais quoi? Pourquoi je peux plus bouger? Oui, c'est vrai. Boussole, on s'en fout. Stock de cartes d'action, on s'en fout. Enfin, c'est juste ça. J'ose de santé du boss que je veux, moi. Tout le reste, tu me désactives. Voilà. Ok. Ah, du coup, il y a encore une phase après ça. D'accord, donc je lui fais zéro dégâts. Très bien, un plaisir. Ah mais c'est pour ça qu'il a la vie infinie aussi. Il récupère autant de points de vie. Mais t'es pas sérieux. Forcément le combat il va durer jusqu'à demain en fait. Si à chaque fois qu'il me touche il récupère autant de points de vie. Non mais what? Et là faut espérer qu'ils mettent les chiens et pas autre chose. Là. Ouais, je veux bien brûler autant que tu veux, mais...
Ça, quand il touche à distance, il... Il se prend pas autant de dégâts. Enfin, il récupère pas autant de vie. Enfin, il récupère pas de vie, en fait, tout simplement. Je lui dis de la merde. En fait, faudrait espérer qu'ils mettent les chiens, en fait. Ça, je pourrais lui péter sa gueule un petit peu. Non, mais putain, mais j'appuie pas sur les bonnes touches aussi, je suis un bouffon. Mais putain, il attaque jamais avec son attaque aussi, de merde là. Putain. Mais c'est complètement con. Ils lui ont mis 150 000 attaques, forcément, tu as jamais la bonne attaque. Et voilà, et là je peux faire quoi? Bah rien. Bah rien, parce que c'est des mobs qui sont beaucoup trop puissants. Qu'est-ce que je fasse en fait? Il fallait faire ça depuis le début et pas utiliser leur strat de merde. Ou pas en fait. Mais putain, mais voilà, crève en fait. Tu me casses les couilles en fait. Ah bah oui, bah oui, bah. Invoque ça juste après, bah oui. Comme ça, moi je peux plus te faire de dégâts en fait. Oh putain, et j'ai zéro réflexe. Mais il m'a pas touché, arrête de te foutre de ma gueule. Oh putain, je fais n'importe quoi. Mais putain! Mais tu vas la faire ton attaque de chiasse! Mais non! Il continue avec son putain de d'invocation de merde! Ça veut rien dire! Mais bien sûr, il a lock autre chose! Un plaisir! Parce que ce que je veux pendant le combat de boss, c'est vraiment que mon personnage fasse de la merde! Et meurt comme une merde comme ça, mais putain, mais... Ah, mais j'en peux plus de ce boss, c'est chiant. C'est chiant, c'est un système de faut attendre. Faut attendre qu'il fasse des trucs. Et puis là, il fait plus. Puis là, il récupère de la vie. Et puis là, il me met des mobs surpuissants. Du coup, je suis obligé d'utiliser le marteau si je veux survivre. Du coup, je peux plus lui faire de dégâts. Oh, c'est trop bien, j'adore ce jeu. Mais putain... Vas-y, tue-moi, tu m'as cassé les couilles. C'est même pas lui qui m'a tué, c'est l'autre putain de zombie. J'en peux plus, mais putain. Les combats de boss sont tous chiants, en fait. Non, non, je suis... Allez, vas-y, tue-moi. Encore une fois. Ah là. J'en ai marre, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Après ce boss, j'arrête de jouer à Doom. Définitivement. Rien d'autre en fait. Rien d'autre à dire. Je mets midlife avec ça. Bon lui, bah il m'a déjà tué, hein, évidemment.
Oh mais putain, mais arrête de faire de la merde. J'ai jamais appuyé là-dessus. Putain, il casse les couilles. Ni ni ni, tu me brûleras. Ta gueule. Regardez le peu de dégâts que je lui fais, c'est ridicule. C'est juste de la merde. J'en ai marre. Mais putain, d'où il est sur moi? Mais j'en ai marre, je comprends pas. Pourquoi là il est sur moi? D'habitude il est jamais sur moi à ce moment-là. J'en ai marre. Mais putain. Il s'est passé quoi dans votre tête en fait quand vous avez fait ce boss? Putain, mais il est où mon... Vraiment tout ce que j'aime hein, dans Doom, hein, mourir en boucle parce qu'il y a un boss qui est juste de la merde en fait. Non mais faut arrêter de vouloir mettre des boss dans des FPS. Hein. Toujours mal branlé, c'est de la merde. Soit c'est trop difficile, soit c'est trop facile. Personne n'a réussi à faire des bons boss de FPS. Ah bah si, dans les vieux FPS, non, dans les vieux FPS c'était aussi de la merde. Jusqu'à nostalgie et tout le reste prennent le dessus. Bref, je fais des dialogues avec moi-même. Mais qu'est-ce que... Pourquoi en fait? Pourquoi en fait là il met eux et d'habitude il mettait les chiens au début? Surtout qu'en plus ils sont immunisés à la putain de frappe sanglante. Bah ouais, parce que sinon c'est pas drôle en fait. Mais en plus il a récupéré toute sa vie. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Mais ça peut durer des heures comme ça. Mais meurs toi, tu m'énerves. Le truc c'est que c'est bien parce que je peux le réduire mid-life en une attaque, mais... Et lui en deux attaques qui... Oh mais putain, mais what the fuck? Mais pourquoi il récupère autant de vie? C'est débile! Arrêtez de faire des trucs débiles comme ça! Hey, t'es capable de faire toucher, lol! Qui vous, en fait... Tu le tapes au mauvais moment, il récupère de la vie. Il te tape, tu récupères, il récupère de la vie. En plus, il récupère, mais des grosses quantités d'enculés. C'est absurde. Oh, mais j'en ai marre. Oh, cette esquive de débile. Mais pourquoi tu coulisses sur le sol, fils de pute? Non mais... En une attaque, en fait, il récupère tout... Mais en plus, il m'a même pas touché! Je triche à l'infini!
putain. Et voilà. Bah c'est mort hein, je pense. Moins que... Waouh. Faut le refaire encore une fois. Mais non, mais j'en peux plus moi. J'en ai marre en fait. J'en ai marre de votre jeu de chasse en fait. Ça se voit que j'en ai marre, je pense. Mais j'ai esquivé, ta grand-mère la pute. Mais voilà, il a déjà récupéré toute sa vie. Ah, mais ça m'énerve. Bah oui, bah bien sûr. J'en peux plus. Mais en plus c'était une attaque. Mais je comprends plus tes timings, fils de pute. Je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Non mais. Mais putain, mais pourquoi là maintenant il fait ça? Je suis sûr si je meurs maintenant je... Voilà, bah on va voir, hein. Est-ce que... Dites-moi, par pitié, que je reste au dernier stade du boss. Et non, mais non. Mais non, mais j'en peux plus, mais nique ta mère. Mais je vais jamais y arriver, en fait. Mais c'est juste pas possible. Putain, j'appuie sur des boutons. Qu'est-ce que tu comprends pas, jeu de chiasse. Mais t'étais pas là, fais pas semblant. Non mais... Bah mais... Et ces mecs là donnent pas de... De marteau. Putain... C'est pas dur hein, de l'équilibrer ce boss hein. Juste lui faire régénérer moins et faire qu'on a un peu plus de marteau. Tout simplement. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais j'ai tapé. Mais j'ai tapé en fait. Tu me saoules. Mais j'ai raison en fait de faire un live dédié pour ça. Allez hop, c'est bon, tu m'as saoulé. J'en ai rien à foutre hein. Là j'en ai plus rien à foutre. Non, bah oui. Bah bien sûr. Mais putain. Même comme ça, c'est chiant. Juste que je peux pas mourir donc. Même comme ça, il est infernal. En plus, j'ai même plus de...
Ça me dégoûte quand même d'avoir baissé la difficulté. Je me dégoûte. Mais même comme ça, en fait, il est infâme. Enfin, non, mais c'est bon, c'est ridicule. C'est ridicule, remettons-nous en ultra-violence. C'est bon. Mais quoi? Mais au dernier moment il le fait! Mais quoi? Mais ce changement de behavior complètement pété du cul! Mais quoi? Mais là maintenant il balance des grenades comme ça, il en balance 3 d'affilée, il fait rien d'autre! Mais arrêtez de mettre 50 000 coups au boss! Et tout est aléatoire! Un boss faut qu'il ait un pattern, qu'on le comprenne et qu'on puisse le buter avec ce putain de pattern en fait! J'ai réussi à appuyer sur un bouton en tapant sur mon bureau! C'est à quel point je suis énervé! Putain, mais j'en peux plus! Là, je suis désolé, mais c'est chiant. J'ai pas du tout l'impression d'être dans un jeu qui est de la qualité de du jeu auquel j'ai joué en fait avant. Avant d'arriver là. Juste l'impression d'être dans un jeu qui est là. Ah, lol, t'as vu, c'est impossible. Ah, lol, c'est drôle. Ah. Mais quoi, pas de cible? Elle est là, ta cible, en fait! C'est quand tu veux hein, que tu fais ton attaque magique du cul. Bien sûr. C'est exactement ce que je voulais faire, oui, bah oui. Si tu veux. On fait comme ça, on dit que tu dévores mon âme. Non mais non! Mais non mais... Il est juste là en fait. Putain. J'ai envie de perdre de temps avec vous. Et voilà, il a récupéré tout ce que je lui ai infligé. Parce que, magie.
Mais non, mais j'ai esquivé ta grand-mère, putain. Mais encore, mais c'est pas possible, mais laisse-moi. Mais putain, mais... Oh, mais je n'en peux plus, mais je n'en peux plus. Tu esquives, il s'en bat les couilles en plus. C'est chiant. La hitbox de son bouclier fait deux fois la taille de son putain de bouclier. C'est infernal. N'en peux plus. N'en peux plus. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que il a pas tant de vie que ça. Non mais putain, mais si j'arrive même pas à le toucher là. Mais what the fuck. Mais je me fais exploser alors qu'il s'est rien passé encore dans le combat. Mais putain, mais à quel moment? Mais pourquoi? Mais je ne comprends pas, putain, j'en ai marre. Il change l'enchaînement de ses coups à chaque fois. Arrêtez avec l'aléatoire, par pitié. Mais non, mais putain, je meurs à chaque fois que je dash, il arrive à me toucher. Et puis là, c'est les... Ces fils de pute. Mais putain. Mais nique ta mère, en fait. Meurs, Slayer, meurs, fils de pute. Tyran, astuce de combat, astuce de pro, pour vaincre un tyran, tu es lui dessus jusqu'à ce qu'il meure. T'en as d'autres comme ça, fils de pute. Putain, mais je... Mais... D'accord, ça le tue pas. Mais je comprends pas. Les trucs font pas des vrais dégâts. Mais quoi? Pourquoi sur les chiens le fusil à pompe il marche et pas sur ces fils de pute? Quoi? Quoi? Julien le marteau, il en a rien à foutre. Mais putain, mais... Super votre jeu. Super. Un plaisir. Le boss final de Doom. Oui, donc oui, c'était vraiment une connerie d'avoir fait ça, mais bon. Mais putain, ça m'énerve, c'est le même problème qu'avec les Pinky. Mal foutu. Mais putain de roue des armes de merde. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, c'est juste de la merde en fait. J'ai appuyé sur ton... Putain, mais j'ai appuyé sur le bouton, il n'a pas compris! Encore une fois, le jeu qui fait de la merde, là! Voilà. Mange-toi ça, et... 1h30 et le boss est toujours pas mort!
J'en ai marre de ton boss de merde. Mais putain! Dès que tu vas faire un truc, il en a rien à foutre! Ah shit! Oh putain, mais quel attardé je suis. Mais tu peux pas me toucher à cette distance en fait. Mais quoi? Quoi? D'où? Qu'est-ce qui se passe? Ce jeu est possédé, ma parole. Oh putain, mais non, mais c'est pas possible. Je veux juste faire un glory kill. Non mais... Merci. Alors, oui. Je brûlerai, tout ça, oui. Mais le mec arrive en plein dans ma gueule à chaque fois. C'est juste chiant au bout d'un moment. Mais arrête d'invoquer ces putains de merde! Tu nous saoules en fait! Oh bah tiens, oui, bah oui, ça va bien le tuer ça. Tu parles. Mais non! Non en fait, tu peux pas me toucher comme ça avec ton putain de dash! Mais il a déjà repris toute sa vie! Mais à quel moment? Mais bien sûr, vas-y, dash sur lui. C'est une bonne idée. Putain, mais c'est grenade! Arrête, en fait. Oh putain, et j'ai raté. Allez, allez, allez. On y croit. Mais non! Mais putain! Mais j'ai tiré à côté. Mais c'est pas possible, je suis nul. Juste nul en fait. Mais allez, mais de quoi? Mais il a toute sa vie. Mais putain, j'ai encore tiré à côté. Mais c'est pas possible. Putain, faut tout recommencer. Pourquoi là, j'arrive plus à le toucher? Alors que tout à l'heure, tout passait bien. Putain, il m'épuise, ce boss. J'en ai marre de toi. Tu comprends? Ah, il a le même problème que dans tout le reste du jeu. Oh mais putain. Oh mais... Il casse les couilles en fait celui-là.
ce boss me casse les couilles, j'en ai marre. Mais pourquoi maintenant tu le fais, c'est la main. Faites un pattern logique. Faites... Mais putain, mais tu me saoules avec ton aléatoire de merde. Pourquoi là d'un coup maintenant tu... Je l'ai touché là. Te fous pas de ma gueule, je t'ai touché en fait, fils de pute. Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Tu sais pas pourquoi, là il se met à invoquer à l'infini et puis il tâche dessus dans la gueule. Ça a aucune logique. Mais quoi? J'utilise le marteau, c'est comme si je faisais rien. J'ai juste marre. Là, le marteau dans ta grosse face de fils de pute. C'est bon, là, tu as bien compris. Je t'avais tapé avec le marteau. Mais d'où tu me touches à cette distance? J'en peux plus, j'en peux plus, je n'en peux plus, ça va faire 2 heures qu'on est sur ce putain de boss. Je n'en peux juste plus en fait. Ils ont vraiment mis tous les trucs chiants de Doom Eternal dans un seul boss. Mais putain! Mais pourquoi là maintenant t'invoques ça? Est-ce qu'il y a une seule logique en fait? Oh mais... Soit mon personnage n'arrête pas de changer d'arme avant même que j'ai le temps de tirer, soit il ouvre la roue des armes. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, il n'y a plus aucune logique dans les séquences. Super! Waouh, je lui ai infligé tellement de dégâts. Mais pourquoi là tu m'invoques ça, putain? Et puis pourquoi lui il est pas mort? Le jeu insiste à fond sur le fait que le marteau les tue tous. Au final, c'est faux. Mais non! Ah bah oui. Évidemment. S'il est mon perso, pourquoi il allait aussi lentement? Mais oh, mais. Et lui qui sort de nulle part. Je me saoule, tu comprends ça que tu me saoules, fils de pute? Mais n'importe quoi! J'étais pas du tout sur l'attaque! Mais quoi? Allez, 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 allez. Non, ça suffira pas, évidemment. Et puis il régène, et c'est les vacances pour lui. Hein.
Mais pourquoi là t'en enchaînes deux? Et pourquoi là y'a ces fils de pute qui arrivent? Je comprends pas les séquences de ce boss. Je comprends pas ces patterns. Et y'a deux phases comme ça. Mais c'est infâme. C'est infâme. Je veux juste voir la fin de l'histoire, moi. Je veux pas passer ma vie à me battre contre ce fils de pute. Mais non! Mais putain! Arrête! Laisse-moi! Laisse-moi respirer 2 minutes! T'étais stun! Pourquoi en 30 secondes? Même pas! Le mec, en une demi-seconde, ça y est! Il s'est reset! Non mais... J'y crois pas, mais c'est n'importe quoi! Puis attaque un peu, des fois! Oh, et puis bien sûr, quand je dis ça, c'est pile le moment où il fait son attaque et je rate! Ah ah, c'est drôle, lol! Putain! Chien de merde! Mais pourquoi là? À ce moment-là, tu le fais! On est au corps à corps! Pourquoi t'invoques de la merde? Oh, mais putain! Non, mais j'y crois pas, mais pourquoi il change la séquence pile au même, pile au dernier moment? Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est exactement ce que je voulais faire. Tirer sur ces fils de pute qui sont vraiment juste à côté. Pour me faire des dégâts à moi-même. Mais putain, mais... Non mais j'en ai marre. J'en ai juste marre, là. C'est pas possible. Je comprends pas. Je comprends pas. Il n'y a aucun moyen de le battre plus facilement. C'est... Même le meilleur joueur de Doom, il doit galérer là-dessus. C'est juste pas possible. Ce boss-là est plus difficile que les deux DLC réunis, en fait. Enfin, les difficultés, ça se cumule pas, mais bon, bref, vous avez compris, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi là maintenant? Il en invoque! Ça n'a aucun sens, avant il le faisait pas! Est-ce que ça a un rapport avec ma jauge de marteau? Ou est-ce que c'est juste de l'absurdité absurde? Mais c'est pas possible, mais... Mais quoi? Mais je comprends pas la séquence. Mais quoi? Mais putain, mais fais ton attaque par pitié. J'en peux plus de ton combat. Tu me saoules. Et pourquoi là il invoque eux, il fait pas son attaque?
Mais pourquoi là il fait le... Ça n'a pas de sens, je comprends pas. Je ne comprends pas. Oh, évidemment. Évidemment. Fais la pile au moment où je peux pas tirer dessus. Pourquoi je me prends des dégâts? Oui, oui, on fait ça. Tu dévores mon âme une fois que je suis mort. Pour l'instant, je le suis pas encore. Bah, ça va pas tarder. Non, mais j'en ai juste marre, là, en fait. Quoi? Mais arrête de m'invoquer ces fils de pute. Putain, mais... C'est ingérable. Je ne peux pas. Je peux juste pas gérer ce boss. Ce boss est trop fort pour moi, tout simplement. Non, non. En plus, il me touche alors qu'il me touche pas. C'est n'importe quoi. Ça veut rien dire, je sais. Il a récupéré toute sa vie en un coup. Mais non, mais... Mais le jeu... Le boss est déjà bien difficile comme ça. On a pas pu faire un truc, genre il fait moins de dégâts à la deuxième phase. Je sais pas. Il récupère pomme... Bah non, la deuxième phase elle est logiquement censée être plus difficile. Il fait plus son attaque. Il fait tout simplement plus son attaque, hein. Il a la flemme, bah oui. Allez, s'il te plaît, là. Fais ton attaque. Ça peut durer très longtemps comme ça. Allez. On y croit. Cette fois-ci, on y croit. Moi, j'y crois en tout cas. Allez, plus qu'une fois. Et c'est bon, on est good. Oui! Alléluia! On l'a battu! Enfin! Oh my god! Oui, bon, du coup, c'est un peu ridicule vu qu'on est en version Conan, mais. Oh, mais mon dieu! Ce boss! Non, je veux pas le refaire! Hein. Plus jamais je rebats ce boss! Dis-moi deux fois. N'as-tu rien à dire à ton créateur avant que tu ne l'achèves? Le Dungi ne parle pas. Non. Quoi?
Mais tu parles pas ? On a gagné ! Bon, ça fait zéro sens, hein. Par contre, je ne comprends pas le scénario. 2 heures pour battre un putain de boss. Ah bah. Au revoir Doomguy. RIP. What the fuck. Attends, quoi? Ils nous remettent dans notre cercueil là d'où on est sorti dans le 1. Enfin, dans celui de 2016. C'est pas le 1. Ah, et on est là. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est genre surpuissant? Prends rien. Comprends rien. Un plaisir. Bah, super. Après, ça t'énervait bien. Fou, ça faisait longtemps que je m'étais pas autant énervé en live. Hein. Oh là là! Que sang sur votre lame ne cesse jamais. Puissions-nous plus jamais avoir besoin de vous. Korax, chapitre 7, 17. Je sais pas lire, hein. Je pense que vous l'aviez remarqué. Ah, oh, mais ce boss. To the memory of Robert Altman. Ok. Directeur Hugo Martin, oui je sais. Bon, eh bien Fouf. C'était intense hein, ce boss. Ah là là. Ah, il est largement mieux que l'Icon of Sin, mais comment dire. C'était pas fin boss dans Doom, mais au final c'est absurde quand on y pense. Ça paraît, ça tombe sous le sens, tu vois, mettre un boss dans Doom, parce que voilà. C'est parce qu'à l'époque, c'était le commun d'avoir. Commun des jeux vidéo d'avoir un boss. Sauf que c'était des platformers, les jeux vidéo, à l'époque, pour la plupart. Et. Bah non, un FPS, ça ne marche pas. Ça marchait à l'époque, parce que c'était dans les conventions et tout, du jeu vidéo. Mais maintenant, tu fais un boss. Imaginez un boss dans Call of Duty, ça n'a aucun sens. Bah là c'est pareil, tu mets un boss, bah c'est juste chiant parce que ça va être une arène un peu nulle. Et là je trouve vraiment que c'est une opportunité gâchée d'avoir un bon boss. Parce que limite, la canmaker était plus intéressante. Là t'es dans un cercle et c'est chiant. Tu dois attendre et esquiver, attendre et esquiver. C'est pas vraiment ce qu'on a envie quand on joue à Doom. Mais après ça va, c'est une mécanique qui a été... doucement amené et il y a beaucoup de choses du jeu qui ont été reprises dans ce boss en fait. Le fait de foncer sur toi, ça fait très référence au Pinky, le fait d'avoir un bouclier comme les maraudeurs, de taper que quand il y a les yeux verts, bah, comme tous les boss en fait. Et enfin tous les boss non, la Canmaker c'est différent, mais et l'Icon of Sin aussi, bah, comme le boss, comme le gladiateur, là. Le maraudeur et... Il y en a un autre qui fait ça, oui, c'est le baron blindé. Qui est arrivé dans ce DLC. Mais ouais, par contre, il récupère de la vie, oui, j'imagine que ça fait du sens. Mais... Ouais, c'est compliqué. Je pense qu'il y a 2-3 petits trucs qu'il faudrait qu'ils changent pour améliorer et balance le boss.
Ouais. Peut-être il y a une petite vidéo à la fin, je sais pas. Par contre, si ça parle à tous les coups, ça va nous enlever le son. Je sais toujours pas pourquoi ça fait ça, mais... J'ai pas le son sur le splash screen, ni sur certaines cinématiques, mais... Enfin bref. Ça, ça fait pas trop musique de Doom, on va pas se mentir, ça fait plus musique de Cyberpunk. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est de pas avoir Mick Gordon sur le jeu? C'est dommage, hein, mais bon. En tout cas, il m'aura bien cassé les couilles, ce boss. Mais c'est bon, on en a fini. On a fini avec tout. Mais il y a beaucoup de monde, là. Ça va durer longtemps. Hein. Pas moyen de... Je veux rien manquer, en fait. Donc on va rester là, comme ça, comme des cons. Et du coup, j'ai passé combien? J'ai passé... 6 heures sur le... Sur le DLC, un truc comme ça. Mais en vrai, les niveaux, les trois niveaux du DLC sont très faciles. Je les ai trouvés très faciles par rapport au reste. Par rapport à l'autre DLC, bah, je les ai pas trouvés tant plus difficiles que ça que le jeu de base. Donc je sais pas s'ils ont nerf pour... Parce que l'intensité allait être complètement explosée avec le Dark Lord. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Enfin bon. C'est infini là, ce truc. Bref, ce DLC là, je le trouve... D'un côté, il est mieux que l'autre. Et de l'autre, il est... Bon, bien. Le premier DLC, c'était vraiment plus de difficultés. C'était vraiment, on prenait Doom de base, Doom Eternal de base, et on poussait la difficulté au maximum. Là, celui-là, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre de nouveau. Et je trouve que c'est mieux. Dommage que la difficulté soit un peu basse au final. Parce que je suis pas mort tant que ça. Hein. Alors qu'on se rappelle, dans le premier DLC, j'avais bien galéré. Après, ouais, je suis un peu meilleur que quand j'avais fait le premier DLC, mais bon, quand même. Du coup, c'est toujours pas fini, non. Bah... Et ouais, les musiques sont... Ouais, elles sont pas mal, mais ça vaut pas la musique de Mick Gordon, hein, quand même. Hein. Un peu déçu là-dessus, mais... Pour avoir joué à Cyberpunk hier, j'ai vraiment l'impression d'être dans Cyberpunk avec ces musiques-là. Ouais, c'est normal qu'il y ait des influences hein, qui viennent, mais... Un peu triste, quoi. Super, super les managers finances. Très bien. Ah, il y en a du monde hein, qui a travaillé sur ce jeu. Mais là, je suis quand même un peu déçu, mais... Je suis déçu du boss, et en même temps, je me dis, mais pourquoi être déçu? Enfin, c'est un boss, je m'attendais à quoi? Forcément. Enfin bon, avec tout ça, je suppose qu'on va débloquer plein de trucs. On va avoir plein de goodies. Trop bien. Enfin, le DLC est quand même correct. Hein. Ça vaut ses 20 balles. Enfin, ça vaut ses 20 balles. Non, ça vaut pas ses 20 balles. Mais bon, on va dire que si. Parce que de toute façon, il sera jamais moins cher. ZeniMax Europe. Ouais, putain, mais il y en a du monde. What the fuck. C'est vrai que la première fois, ça avait duré très longtemps. Mais quand même, dans tout le jeu, avec les DLC, ça nous fait 6 boss en tout, c'est tout. C'est peu. C'est peu quand même. Il y avait le potentiel d'avoir plus de boss. Mais bon, comme je le dis, hein, les boss...
voilà quoi. Le gladiateur, c'est pareil, c'est une arène en rond, c'est un peu chiant. La Can Maker, c'est infernal, mais au moins c'est un peu plus intéressant, mais c'est vrai que c'est assez ennuyant. Pareil pour l'Icon of Sin. Le boss avec les yeux là, dans le premier DLC, dans le Marais de Sang, c'est de la merde. C'est juste trop facile, trop nul, c'est de la merde. Y a vraiment rien d'autre à dire dessus, c'est nul. Je pense que le meilleur boss, ça reste Samur. Hein. Ouais, parce que même... c'est soit Samur, soit le Dark Lord. C'est vrai que c'est les deux boss qui sont vraiment intéressants. Qui ont vraiment... pas une mécanique, parce que Samur, il a pas tant une mécanique particulière que ça, mais... enfin, le fait d'avoir une grande arène et tout qui bouge, qui est différente avec, avec plein de monstres, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu, bien pensé. Là, le Dark Lord, bon, en vrai, il a des bonnes mécaniques et tout. Hein. C'est sympa, mais c'est quand même la fin, la dernière phase, elle est violente de ouf. Hein. Putain, mais c'est... Infini. Ah ben on est dans les Spanish Translator, Mexican Translator, Brazilian Translators. Mexican Translator, il y en avait qu'un. Très bien. Qu'une en plus, je crois. Enfin, ça change rien, mais bref. French Audio Recorded by Arctic. Italian Audio. Super. Eh, c'est les French les premiers. Ouais. Par contre, le Doomguy qui parle à la fin, donc ça prouve bien qu'il peut parler. Et qu'il a choisi de ne pas parler. Enfin, il choisit de ne rien dire. J'avoue que ça aurait été bizarre, tu vois, qu'il dise rien, mais bon. Ça manquait un peu de panache. Ça aurait été plus rigolo qu'il fasse un grumpf, en fait. Parce que là, c'est bien de dire non, mais c'est un peu ridicule. Ouais, non, mais là, c'est full cyberpunk, la musique. Ah, c'est à peine long. Ah, voilà, c'est enfin la fin. Bon, bah, un an après sa sortie. C'était hier, son anniversaire. Hein. C'était hier, les un an. J'aurais peut-être dû faire le... On bute le Dark Lord hier, mais... Vous êtes encore là ? Oui. Oh, c'est sympa ça. C'est sympa ça. Mais j'ai bien fait d'attendre. Eh bien, no problem. J'ai acheté le jeu, donc de toute façon j'y joue. Mais... Donc ouais, un an après, bah, le jeu est enfin fini. Et j'annonce, je ne vais plus y jouer. Je vais finir les défis hebdomadaires de... Zéro. Oui, c'est vrai que... Bref. Boum boum boum, évidemment. Payer, chain codes, ok. Donc on va finir... parce que là j'ai encore un peu de temps pour continuer. Puis comme ça on débloquera plus de trucs de la série barbare et tout. Il y avait des trucs intéressants dans le temps ou pas? Non. Enfin juste le skin là qui est pas trop mal. Bah si on fait Final Scene, tu as un Archvile avec la frappe sanglante, non. Par contre si je fais Final Scene, ce sera avec quelques cheats. Pas trop mais quelques-uns quand même. Genre munitions illimitées quoi, peut-être. En vrai, ouais. Juste histoire d'avoir plein de... On a tout fini hein, quand même, hein. On a tout fini. Partie terminée.
tout fait en ultra-violence. C'est vrai qu'avec ça, il y avait cette run en cauchemar que j'avais commencé, mais... C'est un nom. Choix de la mission. Final scene. Pas tout mettre, alors. Ouais, ça c'est bien parce que comme ça, ça m'évitera de recommencer à chaque fois. Onslaught, non. Mission infinie, ouais, pourquoi pas. Ah, ça c'est rigolo. Bah en fait je crois que je les ai déjà toutes donc c'est un peu inutile mais... Bah je pense que ça c'est pareil aussi, bah bon. Bref, il nous demande de faire Final Scene. Je vais être honnête, j'ai la flemme de le faire de manière legit. Hein. Let's go! Puis ce sera... C'est ça qui va conclure notre aventure sur Doom Eternal. Alors on se rappelle, il faut que je tue un Archvile avec la frappe sanglante. C'est vrai que ça sert à rien de tronçonner du coup. J'allais dire c'est plus simple mais après j'ai des cheats, c'est vrai que... Oh shit. Ah bon, vu que j'ai les vies infinies... Bon, en vrai, je sais que j'ai les munitions limitées de ça. C'est un peu ridicule. On va le rusher. Si vous ne parvenez pas à l'arrêter, la terre. Ah shit. Oh non, ça a marché. Trop fort.
Oula. Pourquoi il y a eu un lag? Hello. C'est pas ce qui vient de se passer, mais ouais, pourquoi pas. Je veux que ça pète un peu la tête là, les... le public. C'est par où déjà? Vert, c'est vert, vert. Par là. C'est quand même vachement plus simple que le Dark Lord, hein. Putain, mais c'est pas possible, j'ai zéro aim. Ah oui, d'accord, très bien. Genre je n'importe quoi. N'importe quoi, mais pardon. Quoi? J'ai tué tout le monde. Tiens, ça c'est un truc qu'ils ont réglé dans le DLC, il n'y a pas ça, mais ils ont pas réglé ça pour le reste du jeu. Il y a l'icône du péché qui me parle. Il y a énormément de changements en fait qu'il y a eu avec ce DLC. Hein.
C'est vrai que je perds beaucoup de vie, hein. Pas bon, je peux toujours faire ce genre de truc, hein. N'oublie pas qu'il faut que je tue l'archevêque avec un... avec une frappe sanglante. C'était pas où la suite? Par là, je crois. Je ne sais plus. Sans lumière verte. Par là. Qu'est-ce que j'ai fait? De la merde, comme d'hab. Plus simple comme ça. Non, non, il faut que je le tue avec la frappe sanglante en fait.
Ah mais non mais il veut pas hein. Ah merde. Ça peut être très chiant un Nord Cheval en fait. Toujours pas, hein. Aïe, ouïe. Ça pour des défis à la con. Putain. C'est ça que j'ai mis les vies infinies, hein. J'entends une whiplash. Voilà. Donc on peut faire ça. Parfait ça. Ah bah c'est bien, il te l'affiche maintenant. Avant il l'affichait pas. Bon je crois qu'il y a un... Il y a un whiplash qui a bugué là. Eh bien au plaisir. Culé. Maintenant on peut aller tranquillement détruire l'icône du péché comme on veut. C'est par où? C'est par là? J'ai fait de la merde. Comme d'hab. C'est le Doomslayer qui fait du ski. Ah d'accord, très bien. Bon, ça sert à rien. Un plaisir. Le platforming de Doom est toujours très au point. C'est pour ça qu'on l'aime. Ok, let's go. Non mais je vais pas le faire vraiment, hein, c'est... Ça, je serais peut-être plus simple comme ça. Hein. Comment je tire dans des parties qui sont déjà mortes en fait. Ok, c'est good. Maintenant je vais qu'à rester ici. Non. Rester ici, j'ai dit. Ah,
Génial, la magnifique texture. Look at that ass. Son armure est détruite et son corps est explosé. Empruntez ce portail pour lui donner le coup de grâce. Putain, mais c'est un bruit de grosse caisse, ça. Je reconnais. Regarde, on dirait un morceau de Meshuggah. Moi là, tout est mort, non? Ah, voilà. Non? Ah, c'était ça. Waouh! Bon, du coup, c'est bon, on a fini Final Scene. Allez, let's go. Pas que ça à faire. Tout ça pour waouh. Ouais, c'est vrai que on a gagné beaucoup. On va regarder un peu tout ce qu'on a débloqué, parce qu'on a peut-être des trucs un peu stylés maintenant. On va juste voir quand même le... Ça, on est niveau 8 là-dessus. Et il y a combien de niveaux? Ok. Du coup, j'ai pas bien capté les trucs différents qu'il y a. Ça, j'ai déjà. Ah, ça, j'ai pas encore, je crois. Ça, j'ai pas. Ça, j'ai pas. Ça non plus, j'ai pas. Le dernier truc. Je vois pas bien la différence, mais ouais, soit. Admettons. Oh là là, on en a du bordel. C'était le truc d'Halloween. Alors, on a ça. Et on a Grogor. Conquérant. Bah c'est un peu Grogor le zombie là, c'est un peu Elric ça. C'est Elric de Melniboné le barbare slayer. Ça n'a plus aucun sens. Mais Grogor. Cabane en rondin. Ils ont la cabane en rondin, parfait, très bien. Bah c'est un peu de la merde. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le... Ça que je trouve un peu dommage, c'est que il n'y a pas énormément de couleurs d'armes. Alors que tu regardes en Doom 2016, t'en débloquais plein dans le multi. Et là, il n'y en a pas tant que ça. Bah, en fait, il y en a une ou deux, je crois, par événement, par série. Sauf que les séries, ça dure genre un mois, trois semaines, je sais plus. Donc bon, on n'a pas... Putain, j'ai ça. Avec Twitch Prime, j'ai ça. Ah bon. Je savais même pas. Ben on va mettre ça parce que je sais qui est tuné et c'est rigolo. J'aime bien sûr. Et le BFG, bah ouais, le BFG en or, quoi.
Le BFG en or, magnifique. Maraudeur, pourquoi j'ai des trucs nouveaux? Ah oui, j'ai le maraudeur bûcheron. Waouh, c'est tellement... j'ai le maraudeur en or. Je savais même pas que je l'avais. Maraudeur sur les enfers, ouais ça je m'en souviens. Mais attends, mais ça veut dire que j'ai le skin Hot Rod ou je sais pas quoi? Très bien, bah je ne sais pas où c'est. Ah si, c'est ça. Putain, c'est ridicule. C'est le Slayer Kiki Tuning. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a ça. Mais... Ah, mais oui, mais c'est parce que mon abonnement à Twitch Prime s'est renouvelé, je crois. Ça doit être pour ça. Ok, très bien. C'est tout. Ok. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Mythique! C'est le truc... c'est pas beau, hein. Seigneur Slayer, j'aime bien ça. Parfait. Bien voilà! Voilà qui conclut notre aventure sur Doom. C'est très triste, mais on va arrêter Doom définitivement à présent. C'était mon dernier stream dessus en tout cas. J'y jouerai peut-être moi de mon côté, mais... Il n'y aura plus de stream sur Doom Eternal. Pas définitivement, mais pas avant longtemps en tout cas. Peut-être on y reviendra, je sais pas, pour les 10 ans du jeu, j'en sais rien. Anyway, on va arrêter le stream ici, puisque voilà. Et du coup, des bisous. Bonne soirée à tous, et on se retrouve un jour peut-être, si je fais d'autres streams un jour. Allez, des bisous.